Salut les potos, c'est Kevin Zakara, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour ce premier épisode d'émission du PDG du DLC Import-Export. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire le vol plus la livraison du véhicule. Bon allez, on va aller vers l'ordi pour voir ce qu'on nous propose. Allez, on va rentrer dans le logiciel. Rentre l'adresse et le mot de passe. Localiser véhicule. Allez, gros, envoie la caisse. Ah bah tiens, ça commence bien. Une Mamba haut de gamme. Pour le premier épisode, c'est très bien. Parce qu'en plus, c'est une voiture que j'ai encore jamais volée. Allez, on va sortir du bâtiment. Bon, moi je vais aller faire ce vol en voiture. Parce que je suis un gros clochard dans le jeu, j'ai pas encore d'hélico. J'ai investi dans une petite réplique de la Ferrari là. Elle va plutôt pas mal cette voiture, c'est pour ça que je l'ai achetée. Ça faisait longtemps que je voulais me la procurer. Donc voilà, on va voler la Mamba. Alors où c'est qu'elle se situe? Bon, on va mettre un point dessus, mais bon, a priori, la voiture elle est en train de rouler là. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous faire des vidéos sur ce mode de jeu. Parce qu'il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont demandé si je pouvais faire des vidéos. Donc voilà, pour ceux qui voulaient des vidéos, j'espère que ça vous fait plaisir. Bon, allez, on va voir ce que ça nous réserve. En plus, la Mamba de mémoire, c'est une bonne bagnole. Allez, on va aller livrer à l'entrepôt. Donc, je présume que ça va pas être si facile que ça, qu'on va se faire courser. Je pense qu'il y a des PNJ qui vont arriver avec des voitures remontées comme d'habitude. Ou peut-être que non du coup. Parce que là, il y a l'air d'avoir personne. Allez, on est presque arrivé. Oh là là, faut que je fasse gaffe parce que là c'est pas mal encombré. C'est encore un risque à péter la voiture, ça. Surtout que ça serait dommage. J'ai fait zéro de dégâts donc ça serait bête d'en faire maintenant. Bon voilà, du coup on est arrivé. Ça commence très très fort parce qu'il y a eu personne qui nous a coursé, on n'a pas fait de dégâts au véhicule. On va tout de suite aller la livrer. Et on va rentrer en bureau. Tranquillou. Vas-y, pose-toi sur ton fauteuil pourri là. Pose ton gros cul sur le fauteuil. Bon, t'es installé. Bon, on peut y aller. Allez, la
petite Mamba là. On va livrer à les concessionnaires spécialisés. Ça nous coûte 20 000 balles, mais bon. Pour rapporter 100 000 balles. Allez, la balise. Changer la plaque. On va changer la couleur, parce qu'en vert, elle est pas terrible. Alors, comment je vais la mettre? Le bleu, là, il me plaît bien. Bleu nocturne métallisé. Bon, je pense qu'on va tout mettre en bleu. Elle a l'air assez sympa comme ça. Améliorer le moteur. On va juste mettre un petit kit de néon. On va mettre rouge. Ah, c'est sympa en rouge. Elle est vraiment belle comme ça. Les fenêtres. Même si ça sert franchement à rien parce qu'on les voit même pas les fenêtres. Petite paire de jantes. Là, on va se mettre une petite paire de jantes chromées là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Celles-là, elles sont sympas. Dash VIP, elles sont très bien ces jantes. Allez, c'est parti. Bon, j'espère qu'on va pas se la faire péter. Parce que généralement, pour le vol, ça va. Mais pour la livraison, c'est bien la galère. Souvent, on se fait péter la voiture au dernier moment. Soit par un roquette. Soit des fois, les PNJ qui nous poussent dans un ravin. On a vite fait de se faire pas mal de dégâts. Donc on va essayer de se la livrer sans dégâts. Je dis bien sans dégâts, bah ça a déjà commencé là. Mais bon, là quand il y a des voitures qui nous poursuivent, vaut mieux même pas s'arrêter. Parce que de toute façon on les bute, mais ils finissent toujours par revenir. Ah, franchement, elle est pas mal cette petite Mamba là en bleu comme ça avec les néons rouges. Elle est vraiment sympa. J'ai même pas pu regarder comment ça faisait avec la paire de jambes que j'ai mis dessus. Et ça doit donner pas mal, je pense. Puis cette voiture, elle est quand même assez rapide. C'est pas la plus rapide. C'est quand même une voiture ancienne, mais niveau maniabilité, elle tient bien la route. A few moments later. Bon allez, il reste plus qu'un kilomètre. Normalement ça va bien se passer. Bon, les autres ils nous suivent plus derrière là. Donc c'est bon. Allez, on est presque arrivé. Oh, j'ai raté l'entrée, je suis arrivé trop vite. Bon bah ça va, on a fait à peine 3 000 $ de dégâts. Et voilà, on l'a livré. Bon bah c'est pas mal, 97 954 $, c'est très bien. Bon bah voilà, j'espère que ce premier épisode il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse d'autres épisodes sur ce DLC. Voilà, en tout cas n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter comme d'habitude. Voilà, bon, moi je vais vous laisser là. En tout cas, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.